Honorable sénateur, sur le territoire non cédé du peuple algonquin Anishinaabe, j'ai l'honneur de prendre la parole en troisième lecture à titre de parrain du projet de loi C-45. Comme vous en souvenez, à la suite de notre récent débat à l'étape de la deuxième lecture, ce projet de loi modifie la loi sur la gestion financière des Premières Nations afin de favoriser la réconciliation économique et une plus grande prospérité pour les Premières Nations. Ayant fait de longues remarques à l'étape de la deuxième lecture, je reprendrai les mots intemporels de l'ancien sénateur Baker. Je serai bref. Pour rafraîchir la mémoire des sénateurs, le projet de loi C-45 contient d'importantes mesures visant à améliorer les cadres fiscaux optionnels de la loi pour les 348 Premières Nations inscrites et participantes, ainsi que pour tout nouvel entrant à l'avenir. Ces améliorations favoriseront une plus grande autodétermination économique en ce qui concerne les autorités fiscales, l'information financière, les emprunts, ainsi que le développement et l'entretien des infrastructures. Plus important encore, ce projet de loi créera l'Institut des infrastructures des Premières Nations, un centre d'excellence qui aidera les Premières Nations à réaliser leur aspiration en matière d'infrastructures durables et de haute qualité. Ces changements vont de pair avec la reconnaissance des droits obtenus grâce à la Déclaration des Nations Unies en 2021 en soutenant les droits économiques, sociaux et culturels. Je remercie notre porte-parole, la sénatrice Martin, le Sénat et le Comité des peuples autochtones d'avoir agi rapidement sur cet important projet de loi qui nous a été renvoyé sans amendement. Cela témoigne des nombreuses années de réflexion créative, de travail acharné, de consultations préalables qui ont été consacrées au projet de loi C-45. Les partisans de ce projet de loi, y compris Sénateur Gould, m'ont remis le rêve d'en être le parrain. En m'engageant sur les détails du projet de loi C-45, je comprends toutefois que les principaux défenseurs de ce projet de loi ont fait en sorte que ces changements paraissent faciles grâce à leur vision, leur détermination et leur souci du détail. Je félicite à nouveau Ernie Daniels, président-directeur général de l'Autorité financière des Premières Nations, Harold Kala, président exécutif du Conseil de gestion financière des Premières Nations, Manny Jules, commissaire en chef de la Commission fiscale des Premières Nations, ainsi qu'Alan Claxton et Jason Kala, du Conseil de développement de l'Institut d'infrastructure des Premières Nations et leurs équipes. Comme j'ai déjà dit, ce projet de loi est celui des Premières Nations participantes. En outre, je tiens à souligner l'enthousiasme et le dévouement de leur équipe. J'ai été ravi de m'entretenir avec plusieurs membres de leur organisation aux yeux brillants et appréciés dans notre cafétéria à l'issue de l'examen article par article. Ils étaient manifestement fiers d'être au Sénat et d'apporter leur contribution à la réconciliation économique. Cette conversation m'a donné le sourire et m'a permis de constater que ce rêve est en train de devenir réalité. Je remercie et félicite également le ministre Miller et son équipe, ainsi que tous les fonctionnaires concernés pour leur leadership et leurs efforts en vue de faire avancer le projet C-45 qui a obtenu le soutien unanime de l'autre endroit. Les modifications proposées à la loi sur la gestion financière des Premières Nations élargissent et modernisent les mandats de trois institutions financières dirigées par les Premières Nations et créées en vertu de la loi. Cela permettra de fournir des services qui répondent mieux aux besoins croissants des communautés, tout en créant une quatrième institution en rapport avec l'infrastructure. Les modifications proposées aideraient la Commission fiscale des Premières Nations à soutenir les communautés dans l'élaboration de lois sur les recettes locales qui vont au-delà de l'imposition des biens immobiliers. Elle renforcerait le soutien à l'éducation et aux capacités dont disposent les communautés pour développer leur économie. Les modifications proposées permettraient également d'étendre les services et les normes de certification du Conseil de gestion financière des Premières Nations à de nouveaux segments de clientèle, notamment les conseils tribaux et les groupes signataires de traités et d'accords d'autonomie, et d'assurer une représentation autochtone forte et diversifiée au sein de son conseil d'administration. Vous trouverez plus d'informations. Il y a plutôt actuellement trois Premières Nations à Saskatchewan qui ont obtenu la certification du système de gestion financière, ou SGF, en vertu de la loi. Cette certification permet de vérifier que les pratiques de bonne gouvernance et pratiques décrites dans la loi sur l'administration financière de la communauté sont respectées. Au total, 174 millions de dollars de prêts ont été accordés aux Premières Nations dans ce Saskatchewan. En ce qui concerne les avantages de la participation à la loi sur la gestion financière des Premières Nations pour les communautés, j'aimerais aujourd'hui partager l'histoire de la nation Mitawaskis-Kinyawak. J'aimerais citer le chef Darrell Watson qui a déclaré « Je suis très heureux d'être ici. L'élaboration et la mise en œuvre de pratiques de procédures pour les actifs financiers quotidiennes conduire à la viabilité à long terme de notre nation. Il est primordial de développer une structure avec des plans stratégiques de travail à court terme et à long terme pour une bonne gouvernance administrative et pour nos membres, pour les générations futures et pour nos partenaires commerciaux. » Avec l'aide de la Commission de la fiscalité des Premières Nations, elle a adopté des lois sur l'imposition de l'évaluation foncière. En 1919, le taux d'imposition a été adopté et a pu collecter plus de 80 000 $ pour aider les infrastructures et les services locaux des Premières Nations auprès des agriculteurs non membres de la communauté.
Mistawasis adopte une approche modifiée de l'imposition des terres agricoles. Les taxes moyennes sont déterminées par acre dans la municipalité adjacente. Vous allez devoir reprendre demain. Le temps étant expiré, honorable sénateur, je n'ai pas pu terminer hier et par conséquent, je vais livrer la deuxième partie de mon discours à titre de parrain du C45. C'est donc la suite de mon discours et j'espère que je vais obtenir un prix. Je parlais d'une réussite de la Saskatchewan pour ses cadres fiscaux pour les Premières Nations. Pour ce qui est de la participation à la loi par les communautés, j'aimerais partager l'histoire de Witchawasish in Iowa. Et je cite le chef qui a dit « La mise en œuvre de politiques et de procédures pour les services financiers quotidiens et les activités financières vont permettre une viabilité à long terme pour les Witsawatsa Awena. Il est important d'élaborer des structures avec des plans à longue échéance pour assurer la bonne gestion afin d'assurer le bien-être des prochaines générations. » Mitawasis in Iowa est une collectivité Cree qui est à 70 km à l'ouest de Prince Albert. Il s'agit d'une communauté qui est notable parce que c'est la première en Saskatchewan à avoir reçu un certificat par le biais du Conseil de gestion des affaires financières, ce qui a permis à la communauté de faire sa marque dans le monde des affaires. Il y a des entreprises variées, par exemple un café, une station-service, des bureaux de génie et j'en passe. Le tout a commencé en 2013, 4 ans plus tard, avec l'aide de la Commission fiscale des Premières Nations. Il y a eu des règlements relativement à l'imposition. En 2019, il y a une loi qui a été adoptée, et ce qui a permis de collecter plus de 80 000 $ pour soutenir les infrastructures et les services locaux de la part d'agriculteurs qui ne vivent pas dans la collectivité et qui louent leurs terres. La collectivité a donc une approche différente de taxation, détermine la taille moyenne et ensuite demande des impôts en fonction du nombre d'acres. La collectivité est la première collectivité des Premières Nations d'avoir mis en place cette approche avec succès. Et les éléments de renforcement des capacités en vertu de la loi aident la collectivité à réussir. À ce moment-là, les administrateurs fiscaux ont reçu des formations de la part d'une association accréditée qui permet d'aider les institutions à mieux comprendre les programmes financiers. Ça a été très important pour que le système d'imposition soit pleinement opérationnel. En deux mots, le processus de certification a aidé la communauté à élaborer et à mettre en œuvre des mesures de gouvernance et de gestion financière a permis d'assurer la robustesse de ses capacités financières. Je suis privilégiée de pouvoir vous parler de cette histoire de réussite. Le cheminement a duré 10 ans et démontre ce qui est possible lorsque les Premières Nations ont des outils pratiques qui leur permettent de gérer leurs finances. Ce sont donc des façons novatrices de procéder. Ce sont des exemples de collaboration avec les leaders des Premières Nations. En guise de conclusion, je voudrais remercier la sénatrice Martin, le Comité des peuples autochtones et le Sénat d'avoir bougé rapidement par rapport au C45. Et j'aimerais féliciter aussi les champions de la réconciliation économique qui sous-tendent la création de ce texte de loi. Mon expérience à titre de parrain du C45, c'est que nous devons partager dans la prospérité de tout un chacun. Nous avons trouvé le chemin qui va nous permettre de continuer notre cheminement. Merci, chers collègues, de votre appui et j'attends avec impatience que ce texte de loi reçoive la sanction royale. Merci.